Le Shar Pei est un chien de taille moyenne robuste. Le Shar Pei est originaire de Chine. Cette race de chien rare avec les plis cutanés et les oreilles en forme de coquille est maintenant également connue dans le monde occidental. La race de chien reconnue par la FCI est classée dans le groupe 2. Le Shar Pei calme et volontaire aime vivre dans sa propre famille. Le Shar Pei avec une hauteur au garrot de 44 à 51 cm appartient aux races de chiens de taille moyenne. Le poids corporel varie entre 20 et 27 kg. Les femelles peuvent atteindre une hauteur au garrot allant jusqu'à 48 cm. Le chien chinois a des rides à l'âge adulte. Nombreux plis au niveau de la tête et du dos. La forme surbrodée avec des rides extrêmes de la peau n'est pas souhaitée comme standard de race. Seuls les chiots doivent d'abord grandir dans leur peau. Cela signifie que les jeunes chiens sont principalement constitués de plis cutanés. Les petits yeux et les oreilles en forme de coquille sont typiques de cette race. Frappant est la langue bleu noir, semblable au chocho. Le poil court et rugueux n'a pas de sous-poil. Sa couleur de pelage est toujours uniforme. Le Shar Pei se décline en différentes couleurs, par exemple en noir, crème, sable, lilas ou rouge. De plus, il existe encore différentes nuances de la couleur marron. La couleur blanche n'est pas autorisée par la FCI. La queue recourbée correspond à l'apparence générale du Shar Pei compact. Le chien chinois aux rides a une espérance de vie de 8 à 12 ans. La race de Shar Pei est considérée comme appartenant à la catégorie des molossiens. Cette parenté se reflète également dans son comportement calme et composé. Les ancêtres du Shar Pei d'aujourd'hui étaient utilisés comme chiens de garde et chiens de chasse. Les gènes de ces caractéristiques sont encore présents aujourd'hui. Le Shar Pei moderne n'est plus utilisé dans ces régions. Cette race est un chien de compagnie et de famille adaptable, qui se distingue par son intelligence et sa volonté d'apprendre. Il a une forte volonté qui lui est propre, qui va parfois jusqu'à l'obstination. L'éducation doit être menée avec cohérence et empathie. Malgré sa forte volonté, il est très sensible et ne tolère pas la pression. Son comportement envers les étrangers est réservé et alerte. Mais il n'a pas d'aboiement excessif. Avec ses congénères, il montre un comportement dominant. Il aime sa propre famille plus que tout. Malheureusement, il a tendance à favoriser un soignant en particulier. Il n'aime pas être seul et souffre de douleurs de séparation. Être seul doit être formé dès le plus jeune âge. Le caractère individuel du Shar Pei est déjà visible dans sa jeunesse. Le type, plus sportif, aime faire du jogging, de la marche, du vélo ou de longues randonnées. Le type plutôt, plus à l'aise, se contente de promenades quotidiennes et de petites activités. Ainsi, renifler est déjà suffisant pour lui comme occupation. Ce que tous les Shar Pei ont en commun, c'est le timide de l'eau. Ce n'est qu'occasionnellement que ces chiens vont nager et s'éclabousser volontairement. Le Shar Pei a tendance à souffrir d'arythmie sinusale respiratoire, c'est-à-dire que son rythme cardiaque fluctue lorsqu'il respire.
Lors de l'inspiration, son rythme cardiaque augmente et lors de l'expiration, il diminue à nouveau. Il existe également des dispositions raciales pour une gamme de maladies de la peau telles que la mucinose, les otites, la dermatite atopique, les maladies des yeux, la fièvre charpeille, les maladies rénales et gastro-intestinales. Le régime alimentaire du charpeille dépend de l'âge, du poids et de l'activité. Nourrir cette race de chien n'est pas plus compliqué que les autres races. Il faut faire attention à une alimentation équilibrée et de qualité. Le régime alimentaire des chiots et jeunes chiens doit être spécialement adapté à la phase de croissance. Une nutrition optimale est positive pour la formation des muscles et du cartilage et la stabilité de la structure osseuse. Pour les chiens adultes, l'alimentation est adaptée à la taille, au poids et aux traits de caractère. Vous devez nourrir un charpeille sportif différemment d'un représentant confortable de cette race. Les composants les plus importants d'un régime alimentaire sont les protéines. Cependant, ce fournisseur d'énergie ne doit pas être donné à profusion. Un charpeille ne peut pas excréter un excès de protéines. Cela peut entraîner des maladies articulaires et rénales. Le charpeille fait partie des races de chiens faciles à entretenir. Vous n'avez pas besoin de brosser souvent le poil court. En règle générale, le changement de pelage se déroule également sans heurts, car cette race de chien n'a pas de sous-poil. Pendant ce temps, vous pouvez favoriser le renouvellement du pelage avec un brossage une fois par semaine. La poussière ou la saleté s'enlève facilement à l'aide d'un chiffon solide ou d'une brosse. Un bain régulier du chien n'est pas nécessaire. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, le charpeille déteste l'eau et deuxièmement, le pelage se nettoie tout seul. L'exception est, bien sûr, si votre chien se roule dans un étang puant ou une flaque d'eau. Mais c'est peu probable, car le charpeille n'aime pas l'eau sur son corps. Les plis cutanés des chiens adultes ne sont pas non plus un problème. À condition qu'il ne s'agisse pas d'une édition surbridée de cette race. Si les rides sont normales, un contrôle régulier suffit. Selon le tempérament et l'âge du charpeille, les jeux de chiens sont bien adaptés. Par mauvais temps, vous pouvez occuper votre charpeille avec des jeux d'intérieur passionnants. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.